Kwanzaa, en fait, est une fête qui a été donc le fruit vraiment de la réflexion de Maulana Karanga, qui est un Africain américain, qui est un grand combattant des droits civiques, et qui s'est rendu compte à un moment qu'on ne pouvait pas proposer aux Noirs comme solution l'intégration à la culture américaine sans, je dirais, valoriser leur background culturel africain. Et c'est de là qu'il y a eu une grande réflexion, tout simplement pour se dire que si on a des valeurs africaines, mais quelles sont-elles précisément? Et c'est de là que Maulana Karanga nous a légué Kwanzaa, qui est une fête en fait qui signifie les fruits. Donc c'est une fête qu'on célèbre énormément avec les enfants, en famille, dans la communauté. La vocation, c'est de célébrer cette valeur importante qui nous rappelle tout simplement que nous devons avoir foi dans notre communauté, foi dans le monde africain, foi en l'Afrique. On doit veiller à garder l'unité, agir ensemble, développer aussi nos créativités, développer aussi nos relations sur le plan commercial, sur le plan économique, de manière à renforcer la communauté panafricaine et faire en sorte de bâtir cette immense union panafricaine. Alors une union panafricaine, pas simplement sur le plan politique, économique, mais avant tout sur les valeurs philosophiques, valeurs spirituelles, valeurs pour l'humanité, pas seulement sur nous-mêmes, mais valeurs pour l'humanité. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est une fête qui n'est pas très connue dans le monde francophone, et pourtant, si vous saviez à quel point dans le monde, sur le plan international, c'est une fête qui est célébrée par des millions et des millions de Noirs à travers le monde. C'est une fête extraordinaire aujourd'hui. Il n'y a pas de reportage à la télévision sur la télé française, c'est vrai. Mais n'oubliez pas de fêter Kwanzaa chaque année entre le 26 décembre et le 1er janvier. Je vais vous conter les nobles choses que mon cœur a fait pour moi. C'est-à-dire que Dieu, quand il parle, il dit « j'ai fait des choses, mais c'est pour moi ». Et c'est pour vous dire que quand vous faites des choses, il faut toujours dire que c'est pour mettre la paix dans notre cœur. Et aussi forcément, la paix dans le monde et dans l'humanité. Vous savez que depuis la nuit des temps, les ancêtres avaient l'habitude de diviniser certains hommes et certaines femmes qui avaient fait des choses splendides. Donc, même avant leur mort, ils étaient déjà divinisés. C'est le cas pour Hatshepsut, pour Amès Nefertari, pour Ramsès II, pour toutes nos histoires, pour Séti Ier, etc., etc., etc. Et, donc, cher Antar, que tout le monde connaît ici, ou beaucoup de personnes connaissent ici, c'est ce jour, le 7 février, qu'il est devenu un ancêtre véritable pour toute l'humanité. Même s'il était déjà un ancêtre en 1954, quand il a écrit « Nation d'agriculture », même quand il était un ancêtre, quand il a fait la conférence au Caire en 1974 pendant une semaine de février, c'était devenu un ancêtre. Mais le 7 février 1986, c'est le jour où il est devenu véritablement un ancêtre. Donc pour ça, en allumant la première lumière, qui est la lumière pour tous les ancêtres, qui est la source originale première, la lumière du Noun, avant la création, avant que rien ne fût. Nous allons appeler quelques ancêtres. Pour la force créatrice, responsable de tout ce qui est, pour les forces spirituelles, supérieures qui nous entourent, pour nos valeureux ancêtres qui ont lutté afin que nous puissions être là aujourd'hui, pour Marcus Garvey, pour Sharon Tadio, pour Toussaint Louverture, et tous nos ancêtres qu'on connaît. Donc, à chaque fois que nous allons dire le nom d'un ancêtre, nous allons dire Ujimu. Donc, en même temps, Amon-Ra va allumer cette lumière et la placer. Pour la création, pour le début, pour le commencement. Pour Nun, Ujimu. Pour Amon, Ujimu. Pour Amon-Ra, Ujimu. Pour Ptah, Ujimu. Pour Sekhmet, Ujimu. Pour Nefertum, Ujimu. Pour Re, Ujimu. Pour Lumumba, Ujimu. Pour Dessalines, Ujimu. Pour Hatshepsut, Ujimu. Delgrès, Ujimu. Chikaya, Ujimu. Chekanta Diop, Ujimu. Félix Mounier, Ujimu. Lumumba, Ujimu. Et Césaire,
Ujimu. 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 Karako. Ujimu. Sébastien Lamba. Ujimu. 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 La reine Zinda. Ujimu. 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 Pour Makandal François. Ujimu. Congo Guido. Ujimu. 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 Makliop Béthune. Ujimu. Pour Boukman Douti. Ujimu. Castera Basile. Ujimu. Cécile Fatima. Ujimu. Gérard Loyette. Ujimu. Ignace. Ujimu. Pour tous les frères, pour toutes les sœurs qui sont nombreux, qui sont partis sans qu'on puisse dire leur nom. Pour tous les ancêtres partis sans nom. Ujimu. Pour tous les hommes. Ujimu. Pour toutes les femmes. Ujimu. Pour tous les enfants. Ujimu. Pour tous ceux qui sont morts au combat. Ujimu. Pour tous qui ont toujours, pour tous ceux et toutes celles qui ont toujours lutté depuis le début de l'humanité. Ujimu. Ujimu. Nous allons allumer une deuxième lumière. Si une sœur peut nous faire l'honneur. Il est dit que si on traverse la rivière seul, on peut être mangé par le crocodile. Mais si on traverse à plusieurs, on peut résister, on peut même lutter contre le crocodile. Même si nous savons que le crocodile, c'est Sobek, c'est un ancêtre, il nous protège. Nous devons toujours faire l'unité. Donc, cette lumière représente l'autodétermination à aller de l'avant de tout ce que nous entreprenons, parce que ça peut être très très difficile, on peut avoir 50 000 obstacles, mais souvenons-nous toujours que les ancêtres ont été avant nous. Tout ce que nous faisons, les ancêtres l'ont déjà fait, et qu'il ne faut jamais oublier de les invoquer un instant dans toutes les choses difficiles que nous faisons, comme ils l'ont fait avant nous. Puisse-t-il nous guider et nous ouvrir le chemin. Merci la sœur. Pour la troisième lumière, qui sera rouge. C'est un enfant. Si tu peux nous faire l'honneur de nous allumer une lumière rouge. Rouge. Juste au milieu ici. Je l'allume avec une rouge ici. Le travail, la responsabilité. Responsabilité collective. Et maintenant, tu peux retourner ici. On dit que tant que les lions n'auront pas leurs propres historiens, les récits de chasse, quelle est la suite ? Seront toujours à la l'avantage du chasseur. Bien. Mais nous avons nos historiens. Nous avons Chakanta. Aujourd'hui, c'est son jour. Nous toutes, nous tous, nous avons des forces dans nos coins. Mais quand nous les mettons ensemble, ça dépasse l'entendement. Gonga en sait des choses magnifiques, Jean-Philippe en sait des choses magnifiques, tu en sais des choses magnifiques, nous tous, et nous tous qui sommes là, nous savons des choses splendides. Mais si nous restons dans un coin avec, ça ne profitera pas à l'humanité de la même manière si on le mettait tous ensemble. Il ne faut pas oublier qu'avant Narmer, il y avait eu plusieurs rois et plusieurs reines sur le continent de Kemet. Mais à un moment donné, il s'est dit, nous allons faire les choses collectivement. Il va y avoir sur le continent une personne qui va se soucier de tout le monde. Et c'est là qu'il a fondé, dans un temps très très reculé, l'unité africaine. Quatrième lumière, si Konga peut nous allumer une lumière, ce n'est pas avec des paroles que l'on pourra remplir un panier. Et cette quatrième lumière, c'est la coopération économique. Jean-Philippe l'a dit, si nous ne mettons pas nos économies au service de nos communautés, de notre communauté, elles vont s'éparpiller toujours. Et on aura toujours l'impression qu'on n'a pas assez d'argent, alors que nous sommes immensément riches. Nous sommes immensément riches.
une famille unie, mange dans la même assiette. Et nous sommes une famille unie parce que je pensais ce matin, nous avons différentes couleurs, différents pays, différentes religions, mais nous sommes tous une famille et nous sommes unis. Et nous avons adopté ce nom que les ancêtres avaient dans le temps, Kemet, quelqu'un qui se souciait de son passé, quelqu'un qui se souciait de sa famille, quelqu'un qui se soucie de ses amis et quelqu'un qui se soucie de ceux qui se soucient de nous. Et ceux qui ne se soucient pas de nous, ils sont invisibles. On n'a pas à s'occuper d'eux, il faut s'occuper de ceux qui se soucient de nous. Nos femmes, nos maris, nos enfants, ceux qui se soucient de nous. Et ensemble, nous soucions des problèmes de Kemet. Partout où il y a les Kemet et partout, il y a de la souffrance. Et pourtant, c'est un peuple tellement riche. Cinquième lumière pour la vocation, c'est le frère Jacques qui va nous faire l'honneur de nous accorder une lumière. La vocation. Merci, bien-aimé frère Jacques, parce que chaque lumière qui se manifeste, ce sont tous nos ancêtres, ce sont nos entités, ce sont nos cas, ce sont nos bas, ce sont nos doubles, ce sont nos forces glorieuses, et nous nous régénérons. Il faut penser. Chaque lumière qui est allumée, chaque parole qui est dite, nous nous renforçons, nous faisons appel à nos ancêtres comme souvent il n'est plus fait. Et qu'aujourd'hui, pour chaque lumière, pensez que la totalité de nos êtres, les 9 parties constituantes, le Sahut, le corps glorieux, tous puissent-ils fusionner avec nous, afin que de la manière que nous sommes rentrés aujourd'hui, nous repartons remplis de nous-mêmes. Et que le lien soit fait avec nos ancêtres, avec nos différentes facettes. Nous ne sommes pas seulement de chair, nous sommes aussi d'esprit, nous sommes aussi faits de plein d'autres parties de nos êtres qui ont besoin d'être fortifiées. La chair, quelquefois, a besoin d'eau et de nourriture, l'esprit, des fois, a besoin de lecture. Le spirituel a besoin aussi que nos cœurs soient purs, nettoyés, purifiés, afin que notre divinité protectrice, gardien, puisse habiter dans notre temple qui est notre cœur. Vous le savez, il n'y a pas de secret, c'est là qu'il habite. Et c'est à cet endroit qu'on peut faire appel à lui pour qu'il puisse nous guider et que nous puissions remplir notre rôle dans cette humanité. Parce qu'il n'y a pas de secret. Tant que les Kemet ne rempliront pas leur rôle dans cette humanité sera toujours destruction, chaos, violence. Donc nous devons faire l'unité, faire l'union avec nous afin que nous puissions guider l'humanité comme les ancêtres l'ont toujours fait depuis près de 300 000 ans. La femme et l'homme que nous sommes maintenant, 250 000 ans, où nous avons guidé l'humanité. Et l'humanité s'est détournée de nous, mais maintenant, l'humanité fait semblant de venir à nous parce que nous sommes immensément riches, mais nous avons toujours été riches. Et maintenant, nous le savons, et maintenant, nous prenons possession de ce qui nous appartient. Et nous commençons par nos cultures, par nos amours, par nos richesses et par nous-mêmes, parce que nous sommes des divinités. Quelquefois, je parle de Jean-Philippe, quelquefois, je parle de Motunde, quelquefois, je parle de Amon-Ra. Quand je m'adresse à Amon-Ra, je ne m'adresse pas à Jean-Philippe ou Motunde. Nous sommes des divinités, prenez conscience de ça. Nous sommes des divinités, nous sommes des divinités. Et vous allez voir vos doubles dans vos rêves. Voyez vos doubles, vous devez les voir. Moi, ils viennent à moi. Ils doivent venir à vous pour vous dire, ils sont vos doubles, ils sont vos divinités. Pour la foi, nous avons une septième lumière. Pour la foi, nous avons une septième lumière. Imani, lorsque vous suivez les traces de votre père, de votre mère, vous apprenez à marcher comme lui. Qui sont nos pères, qui sont nos mères, Charanta Diop, qui sont nos pères, qui sont nos mères, Jean-Jacques Dessalines, qui sont nos pères, qui sont nos mères, nous les avons, Marcus Garvey, nous les avons cités,
Ce sont nos pères, ce sont nos mères, ce sont nos guides, ce sont nos lumières. Et nous devons leur faire confiance absolue. Comme l'enfant de 3 mois, il ne demande pas pourquoi, il fait. Sa mère lui dit de faire, il fait. Alors si une sœur, le frère Magloire Ptah me dit que c'est une sœur qui doit nous allumer cette lumière. Merci très chère sœur de nous faire cet honneur. Dans beaucoup de religions, les femmes ne sont pas admises. Or, dans nos mystères, coutumes dans nos manières de faire, les femmes ne nous ont pas accompagnées. Elles ont été nos guides. Elles ont été nos guides. Elles nous ont toujours guidés. Vous nous avez toujours guidés. Chères sœurs, chères cousines, chers amis, puissiez-vous toujours nous guider, parce que sans vous, on ne peut rien faire. Vous êtes les divinités. Vous devez nous révéler à nous-mêmes, nous les hommes qui oublions quelquefois, nous sommes vos petits. Vous devez nous guider. Depuis quelque temps, je prends l'habitude de dire que mon intelligence s'arrête là où commence l'intelligence de celle qui m'accompagne. Parce que c'est un honneur pour nous, quand nos femmes, nos sœurs, nos tantes, nos tatas, nos grand-mères, nos cousines, nous guident. Parce que c'est comme ça qu'il a toujours été. La foi. Ne mettez pas le cap sur l'étoile d'un autre. Nous avons nos étoiles. Nous avons notre double qui éclaire chaque jour, chaque nuit. En vérité, regarde. En vérité, regarde. Les cheveux de ma tête sont ceux mêmes du dieu Nout. Les cheveux de ma tête sont ceux mêmes du dieu Nout. Mon visage est le disque solaire de Ré. Mon visage est le disque solaire de Ré. La force de la déesse attend. Djaka, c'est la joie, l'allégresse, le bonheur. Et c'est ce que je veux véhiculer à vous, mes frères et sœurs, de Côte d'Ivoire et du continent africain et des Noirs partout dans le monde. J'aimerais vous parler aujourd'hui de Congo Lissolo. Congo Lissolo, c'est un site fait par des Africains ou des Africains. Sur ce site, vous pouvez apprendre tout sur votre histoire. Sur l'histoire de vos ancêtres, sur l'histoire de l'esclavage, sur les inventions des Noirs, sur notre culture de tous les pays qui composent le continent africain, la terre, le berceau de l'humanité. Congo Lissolo vous permet, si vous êtes inscrit dessus, d'avoir une section personnelle, votre espace sur lequel vous pouvez faire la publicité de ce que vous offrez, vous pouvez faire des publications. Si vous découvrez des informations supplémentaires, vous pouvez les apporter pour que la communauté en bénéficie. Parce que savoir qui nous sommes nous rend plus forts. Le savoir est une arme. Tant que nous saurons qui nous sommes, nous saurons où nous allons. Alors je vous invite massivement à visiter le site www.congolissolo.net, Congo avec K. Et Congo Lissolo, ça veut dire causerie fraternelle. Nous sommes des frères. Peu importe les frontières qui ont été tracées, nous avons les mêmes ancêtres parce que nous venons de la même terre.
cette terre qui est le berceau de l'humanité. Alors, rejoignez-moi sur Congo Lissolo, parce que moi, Boane Diaka, j'y ai mon espace et il y a une collaboration qui existe avec Congo Lissolo. Et c'est ce que nous devons faire pour être forts. Il faut que nous travaillions main dans la main. Il n'y aura pas de miracle tant que nous ne serons pas unis, tant que nous ne ferons pas des choses pour nous. Nous ne serons pas forts. Alors je vous invite massivement à aller visiter ce site-là parce que moi, Boane Diaka, j'y suis déjà et c'est avec plaisir que je vous invite à aller voir ça. N'oubliez pas, Congo Lissolo,